Aïe. Aïe. Aïe, Léli, aïe. Aïe, Léli, venez, venez, les fats. J'ai beaucoup à vous dire ce matin, ce soir, si vous voulez. Voilà. Aïe. Aïe, loulou. Ouais, les fans. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui soutiennent le colonel Lobofoué. Je vous remercie beaucoup pour les votes, les awards du coupé de Cali. Ça me fait du bien et ça fait plaisir de savoir que vous m'aimez. J'ai un message à passer à toutes les personnes qui veulent bien m'écouter. Voilà. Parce que ça fait juste rire. C'est rigolant. C'est rigolo ce qui se passe en ce moment. Les awards du coupé de Cali, c'est pas pour les animaux. C'est pas pour les personnes ordinaires. C'est pas pour les policiers. C'est pas pour les c'est pour les artistes. C'est pour les artistes du coupé de Cali. Les seuls bénéficiaires de cet événement-là, ce sont les artistes. Les seules personnes qui vont avoir les trophées, ce sont les artistes. Les seules personnes qui vont avoir de la cote, ce sont les artistes. Je ne pense pas que les organisateurs vont avoir grand-chose à gagner dans ça, à part les sous, ce qui est normal, ils travaillent pour ça. Moi, ça me fait mal de voir mes grands frères aujourd'hui qui se disent artistes du pays, qui se tapent la poitrine, se comporter de cette manière-là. Ça fait combien d'années que le coupé décalé est sur pied? Et ça fait combien d'années que le Zouglou est sur pied? Vous avez déjà entendu parler Award du Zouglou, ou bien Trophée des Zougloumans, ou bien Concours des Zouglous quelque part? Jamais. Ça fait combien d'années que le coupé décalé est sur pied? Et voilà, on nous parle d'avoir du coupé décalé. Normalement, on doit être content. C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est une initiative à saluer pour moi. Vous voyez? Parce que moi, je me dis, le simple fait même d'être nominé, et tu es dans ton coin, et puis un jour on t'appelle, on dit que tu es nominé. Tu n'as pas payé 5 francs, on a regardé ton travail, et puis c'est en fonction de ça, on t'a nominé dans une catégorie bien définie. Bon, je ne vois pas où on se plaint. Moi, Ariel Chené, l'année passée, j'ai été nominé. J'étais chez moi, on m'a appelé, on dit que je suis nominé à une nouvelle génération. Gloire à Dieu, on a fait la campagne comme il se devait. Dieu merci, j'ai remporté. Cette année, on m'a appelé, je suis nominé dans toutes les catégories. Mais attends, mes amis, il y va de mon travail. N'allez pas vous plaindre. Ne vous plaignez pas. Je suis désolé. Des vieux artistes comme ça, comme vous, vous allez venir vous plaindre parce que je suis nominé dans toutes les catégories. Vous pensez que quoi? Que Moula, c'est mon papa? Ou bien vous pensez que les organisateurs d'Award Coupé Décalé, ce sont mes parents? Hein? Moula, même depuis Award Coupé Décalé a commencé, je ne l'ai même pas encore vu de mes yeux. Conférence de presse, je n'étais pas là-bas. On ne s'est même pas encore vu comme ça. Pour dire que, attends, arrêtez un peu. C'est vraiment décevant parce que les awards du coupé décalé, si vous ne savez pas, ça se regarde dans le monde entier. Parce que c'est une grande première et c'est une initiative qui est vraiment, vraiment, vraiment suivie. Aujourd'hui, Dieu merci, l'année passée, il n'y avait pas sponsor. Aujourd'hui, il y a sponsor. Maintenant, il y a voiture, tout ça. Vous devez être contents, les amis. Non, mais vous me décevez.
Vous me décevez. Si c'est comme ça là que votre coupé décalé là, elle là, mais moi, attends. Je vais faire un autre style de musique. Mais je suis désolé, moi. Hein? Père chef fanatique, moi je vous dis, j'ai été nominé aux awards du coupé décalé. C'est une satisfaction pour moi déjà. Moi j'étais petit comme ça et puis je voyais Arafat chanter à la télévision et tous ces sons qui nous ont fait danser. Moi j'étais petit comme ça et puis je voyais DJ Mick chanter à la télévision. Moi j'étais petit comme ça et puis je voyais tous ces grands frères que je verrai et tout chanter à la télévision. On a tous dansé, on était petit comme ça. Moi je voulais l'un de mes parents à ce moment-là pour aller danser en boîte. T'es petit comme ça. Aujourd'hui on est nominé ensemble dans la même catégorie. Moi je suis déjà je suis déjà content moi. J'ai pas besoin de faire de tapage pour ça. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai mal de voir mes grands frères se battre pour des futilités, s'insulter par-ci, par-là. Mais attends, attends, attends. En tout cas, les fans, votez-moi. Voilà, comme vous pouvez le voter. Moi, je fais pas les magouilles, je fais pas les tapages pour rien. Comme vous pouvez me voter à la maison, votez-moi avec vos puces MTN. T'en as, tu me votes. Voilà. Si t'en as pas, va sur Internet, tu me votes. C'est clair. Si j'ai gagné, gloire à Dieu. Si j'ai pas gagné, c'est que j'ai pas travaillé. L'année prochaine, je vais doubler d'effort. Donc voilà, et puis on avance. C'est comme ça que je pense que les gens doivent réfléchir. Mais bon, si c'est pour s'entretuer, pourquoi? Une voiture décapotable? Pour ceux qui ont téléparlé votre voiture décapotable, attends, vous n'avez pas me dit que vous n'avez pas un sou pour vous acheter une voiture décapotable? Et c'est à cause d'une voiture décapotable. C'est quoi le souci? Et puis ils ont que ça à la bouche. Voiture décapotable, voiture décapotable. Bon, prenez la voiture décapotable et puis donnez-nous les trophées. M'aide alors. T'avais dit quoi? J'en ai marre, hein? Fuck, man. Bon, allez, les amis, c'était mon colonel Lobofouet, voilà. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui sont en train de ma musique et qui m'écoutent ici comme ailleurs et dans tout le monde entier. C'était moi et voilà. Ciao, big up, on est ensemble.